الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا كلها لوجهك الكريم ولا تجعل لغيرك منها شيئا يا رب العالمين. Donc ce cours est le sixième cours dans la lecture d'une risala que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a envoyé à l'un de ses frères. Nous en sommes arrivés à un chapitre nommé Na'im ahli dunya fi ma'rifatillahi wa mahabbatihi wal qurbi minhu. Donc ce titre est un titre qui a été ajouté par la maison d'édition qui a sorti cette risale. Donc le plaisir des habitants de la terre se trouve, et le plaisir des êtres humains se trouve dans la connaissance d'Allah, son amour et sa proximité, c'est-à-dire de se sentir proche d'Allah Ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, idha arifta hadhihi al-muqaddimata فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه أفصح القائل عن ذاك بقوله وذاك طعم العيش وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن فالعيش والطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه من ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين كما قال القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit donc: après que tu aies saisi cette introduction, c'est-à-dire ce dont on a parlé dans les cours précédents, sache que le plaisir parfait, la joie, le bonheur et la bonne et belle vie ne se trouvent que dans la connaissance d'Allah et son unicité, son tawhid. Dans la familiarité, le désir ardent de le rencontrer.
Al-unsu billah, c'est de se sentir proche d'Allah. Et lorsque tu es seul, tu es mieux que tu es avec les gens. Parce que lorsque tu es seul, ça c'est une expression de... Lorsque tu es seul, il y a Allah avec toi. Et tu es mieux lorsque tu es avec la terre. Al-Jal, et tu fais son rappel, prends plus de dire à ce moment que lorsque tu es avec les gens. C'est pour ça que certains salafs salih, radiyallahu anhum, ils n'étaient pas contents lorsque le jour se levait. Parce que lorsque le jour se levait, ils allaient devoir fréquenter les gens. Mais quand la nuit venait, ils étaient avec Allah, Azzawajal. Après que tu aies saisi donc cette introduction, sache que le plaisir parfait, la joie, le bonheur et la bonne et belle vie ne se trouvent que dans la connaissance d'Allah et son unicité, dans la familiarité et le désir ardent de le rencontrer. Donc sans le tawhid d'Allah, tu ne pourras jamais être content, tu ne pourras jamais être heureux dans ta vie. Sans connaître Allah, tu ne pourras jamais être heureux dans ta vie. Sans avoir le uns billah, tu ne pourras jamais être heureux dans ta vie. Et de même que si tu n'as pas ce désir ardent, ash-shawq ila liqa'ihi, tu ne pourras pas être heureux non plus. Et de concentrer et de réunir son cœur et ses préoccupations dans cet objectif-là. Donc tes préoccupations dans ta vie, tu dois les concentrer sur ça. Et c'est pour ça que le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Ibn Majah et Al-Bayhaqi, sa chaîne de transmission, son sanad ou son isnad est hassan, est fiable, est bon. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, Sami'atu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu votre prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Man ja'ala hammahu hamman wahida, hamma akhiratihi, kafahu Allahu ma yahummuhu min umuri dunya. Kafahu Allahu ma yahummuhu min umuri dunya. Celui qui fait de ses préoccupations une seule et même préoccupation, la préoccupation de l'au-delà, et c'est ce dont on a parlé ici, Allah lui suffira tout ce qui lui trotte la tête et le préoccupe dans sa. Dans, parmi les choses de sa vie de tous les jours et ça, dont il a besoin. Et celui dont les préoccupations sont multiples à cause de pourquoi? Juste pour cette dunya-là. Allah ne se préoccupe plus de lui, c'est-à-dire il ne lui apporte peu, quel que soit l'endroit où il vient périr cette personne. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit, car la pire et la plus malheureuse des vies est celle de ceux dont les cœurs sont éparpillés et les préoccupations divisées et partagées, son cœur n'ayant rien où il puisse se stabiliser, ni un bien-aimé, un habib, vers lequel il retournerait et pourrait se reposer. Car la pire et la plus malheureuse des vies est celle de ceux dont les cœurs sont éparpillés et leurs préoccupations divisées et partagées, leur cœur n'ayant rien où ils puissent se stabiliser, ni un bien-aimé, un habib, vers lequel ils retourneraient et pourraient se reposer. Puis la cité d'Abiyat Shariya, dont le sens est « et n'aura nullement goûté au plaisir de la vie, celui qui n'a pas de bien-aimé, de habib, vers lequel il trouvera son repos et sa sérénité. Et n'aura nullement goûté au plaisir de la vie, celui qui n'a pas de bien-aimé, vers lequel il trouvera son repos et sa sérénité. » Ainsi, une vie paisible et utile est l'apogée du plaisir, c'est-à-dire le plaisir le plus intense que tu puisses imaginer, n'est autre que dans le repos et la tranquillité, l'istiqrar, wat-tuma'nina, auprès du premier bien-aimé, le premier être, Allah Azzawajal. Et si le serviteur venait à chercher cette tranquillité et cette sérénité auprès d'autres qu'Allah, venait-il à en faire le tour et passer d'une chose ou d'une personne à une autre, il ne trouverait cette tranquillité et le summum du plaisir tant qu'il ne la cherchera pas auprès de sa divinité, le seul digne d'être adoré, son Seigneur, son allié, le seul qu'il adore, sans lequel il ne pourra t'avoir, sans lequel il ne pourrait avoir d'intercesseur ni d'allié. Donc tant que le serviteur ne s'oriente pas vers Allah Azzawajal, il ne trouvera jamais cette tranquillité ni ce repos, ni le plaisir de son âme. Celui dont il ne peut se passer le temps d'un clin d'œil. Celui dont il ne peut se passer le temps d'un clin d'œil. Et ça, entre parenthèses, ça nous rappelle le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astarith, aslih li sha'ni kullahu, wa la takilni la nafsi tarfata'in. Et ne me laisse pas dépendant de mon âme et de mon être le temps d'un clin d'œil. Donc si ça c'était valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de nous? Fais Allah Azza wa Jalla
Comme le dit Al-Qa'il, donc il a cité des vers de poésie d'une autre, d'une personne qui parlait à ce sujet-là, où il dit, dans le sens de ces vers de poésie, il dit: accorde ton cœur à qui tu le voudras, suivant tes désirs intérieurs. Mais sache que l'amour complet, parfait, ne cessera d'être au premier bien-aimé. Combien un jeune homme s'habitue et s'attache à des demeures. Donc dans sa vie, il va passer vers des maisons et il va s'y attacher. Mais son désir ardent et sa nostalgie et son désir profond restera réservé à sa maison d'enfance. Donc combien un jeune homme s'habitue, s'attache à des demeures. Mais son désir ardent et nostalgie et son désir profond restera réservé à sa maison d'enfance. Sois donc attentif et mets tout en œuvre afin que tes préoccupations soient une seule et même préoccupation, et qu'elles soient concentrées sur une seule et même préoccupation, qui Allah Ta'ala, Allah seul. Que cette préoccupation soit réservée à Allah seul. Car ce n'est que de cette manière que le bonheur parfait peut être obtenu. Car ce n'est que de cette manière que le bonheur parfait peut être obtenu. Et celui qui agit de la sorte et a atteint cet état, c'est-à-dire celui qui arrive à ce niveau-là de foi, se retrouvera dans un paradis et dans un plaisir et des bienfaits sur terre avant le paradis de l'au-delà. Il va vivre Jannatud Dunya. Il va vivre quoi? Jannatud Dunya. Allez, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: Ma yaf'alu a'da'i bi. Ma yaf'alu a'da'i bi. Que peuvent me faire mes ennemis? Fa inna jannati fi qalbi. Car mon paradis se trouve dans mon cœur. Fa in qataluni kanat li shahada. S'ils me tuent, ce sera pour moi un martyr. Wa in sajanuni kanat li khulwa. Et s'ils m'emprisonnent, ce sera pour moi un moment où je me retrouverai seul avec Allah Azzawajal. Wa in taraduni kanat li siyaha. Et s'ils m'expulsent de leur terre et de leur territoire, ce sera pour moi du tourisme. Je visiterai d'autres endroits. Fa inna jannati fi qalbi. Mon paradis se trouve dans mon cœur. Car ce n'est que de cette manière-là que le bonheur parfait peut être obtenu. Et celui qui agit de la sorte et a atteint cet état, ce niveau de foi, se retrouvera dans un paradis et dans un plaisir et des bienfaits sur terre avant le paradis de l'akhirah, de l'au-delà. Comme le dirent certains wajidines. Wajidines, ça c'est des termes qu'Ibn Taymiyyah, qu'Ibn Al-Qayyim rahimahullah utilise. C'est des gens qui ont ressenti certaines choses de l'iman et qui ont, à la suite de ça, ils en ont parlé. Mais je ne sais pas vous dire une définition précise de l'ouajidine. Comme le dirent certains ouajidines, il en arrive que le cœur soit traversé par des instants où je me dis: si les habitants du paradis vivent dans des moments similaires, ils vivent sans aucun doute dans une belle vie. Il arrive que le cœur soit traversé par des instants où je me dis: si les habitants du paradis vivent des moments similaires à ces moments que je suis en train de vivre, ils vivent sans aucun doute et certainement une belle vie. Et un autre dit: pauvres masakin ou ahli dunya, pauvres sont les habitants de la terre, ceux qui s'attachèrent aux plaisirs mondains. Kharajou minha walam yadhouqou. Masakin ou ahli dunya, kharajou minha. Pauvres sont les habitants de la terre, ceux qui s'attachèrent aux plaisirs mondains, ils quittèrent la terre et cette terre sans goûter au plus grand de ses délices et au plus délicieux de ses plaisirs. Faqila, qila, wama atyabu ma fiha. Il lui a été dit à ce moment-là: et quel est le plus grand de ses délices et le plus délicieux de ses plaisirs? قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. Il dit: connaître Allah, le plus grand de ses délices et le plus délicieux de ses plaisirs, est de connaître Allah, de l'aimer et lui être proche. Et lui être proche, c'est-à-dire de sentir, comment dire, الأنس بلقائه, c'est de se sentir bien, un sentiment d'apaisement du fait que tu te sens proche d'Allah. Et lui être proche jusqu'à sentir une familiarité entre Allah et toi, qui n'est accordée qu'à ses proches serviteurs, et le désir ardent de le rencontrer. Donc si la plus délicieuse des choses qu'il y a dans cette dunya est de connaître Allah, premièrement,
de l'aimer. Parce que comment tu vas aimer Allah si tu ne le connais pas? Et lorsque tu vas l'aimer, tu vas sentir un sentiment de proximité avec Allah. Jusqu'à que ce sentiment va te faire arriver à une sorte de familiarité. Tu vas te sentir bien. Dès que tu es seul, tu es mieux que lorsque tu es avec les gens. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, il y a Allah. Tu sens la grandeur d'Allah et tu sens l'amour d'Allah. Et la quatrième des choses, ash-shawqu ila liqa'ihi, le désir ardent de le rencontrer. Ici se termine la parole ici se termine la parole qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapportée. Puis il continue, Ibn al-Qayyim, et dit: et il n'y a pas sur terre un plaisir et un bienfait semblable et ressemblant à celui des gens du paradis en dehors de celui-ci. Parmi ce que vivent les gens de Al-Jannah, si tu veux chercher un plaisir qui ressemble dans cette dunya, il n'y a pas d'autre plaisir que celui-ci. Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, mahabbatuhu, l'amour d'Allah, wal-uns biqurbihi, lui être proche jusqu'à se sentir une familiarité entre Allah et toi, cette familiarité qui n'est accordée qu'à ses proches serviteurs. Warabi'an, ash-shawqu ila liqa'ihi, le désir ardent, ash-shawqu ila liqa'ihi, le désir ardent de le rencontrer. Et c'est comme un manque que tu as, c'est comme une chose qui ne fait que te trotter au fond de toi, et tu l'attends. Tu fais que l'attendre. Tu aimerais bien que ça arrive le plus tôt possible. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc Ibn al-Qayyim continue, dit, et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat. الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني حسنه الألباني حسن إسناده الألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: parmi les bienfaits de votre dunya, Allah me fit aimer deux choses, les femmes, an-nisa, wa at-tayyib, le parfum. Quant aux délices de mon être et de mon âme, qurratu ayni, elles se trouvent dans la prière. Et quant aux délices de mon être et de mon âme, quant aux délices de mon être et de mon âme, ils se trouvent dans la prière. Il informa, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa qu'Allah lui fit aimer deux choses de cette vie, les femmes et le parfum. Puis il dit: et le délice de mon âme se trouve dans la prière. Et le délice de l'âme, qurratul ayn, est au-delà de l'amour. C'est quelque chose d'au-dessus de le mahabba. Car tout bien-aimé, ou chose que tu aimes et que tu chéris au fond de toi, n'est pas forcément un délice pour ton âme. Le fait que tu aimes une chose, ça ne veut pas dire que c'est une qurrat ayn pour toi. Qurratul ayn, c'est un délice qui est au-delà de ça. Et toute chose. Et le délice de l'âme, qurratul ayn, est au-delà de l'amour, al-mahabba. Car tout bien-aimé ou chose que tu aimes et que tu chéris n'est pas forcément un délice pour ton âme. Mais l'âme obtient le summum de son plaisir. Et délice, l'âme obtient le summum de son plaisir. Et son délice, son, le plus grand de ses délices et le plus grand de ses plaisirs, par l'être et la chose qui méritant le plus d'être aimé. Et qui est aimé pour lui-même. Et ici, une parenthèse, on peut qualifier Allah Azzawajal de chose, de shay. L'imam al-Bukhari, il rapporte un hadith, il rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la shay'a ahabbu ilayhi al-udhr, l'afwan, astaghfirullah al-azim. Ça c'était pour Shars. Allah Azzawajal dit dans le Coran, la preuve c'est l'aya: qul ayyu shay'in akbaru shahada, qul illah. Dit quelle est la plus grande chose. Qul ayyu shay'in akbaru shahada, afwan, je ne connais pas la traduction. Ici, Allah Azzawajal, de ce verset-là, ils ont pris la permission de dire, de qualifier Allah de chose, de shay'. Ça, c'est juste une parenthèse. Et de même, on peut qualifier Allah Azzawajal de charse, de personne. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la charsa ahabbu ilayhi al-udhra min Allahi. Il n'y a pas une personne qui aime plus, à qui l'excuse est pardonnée aux gens, est plus chère qu'Allah. Donc il a qualifié Allah de quoi? De personne, de charse. Donc on continue.
Ibn al-Qayyim dit alors, mais l'âme obtient le summum de son plaisir et le délice de son âme par l'être et la chose méritant le plus d'être aimée et qui est aimée pour elle-même, ce qui n'appartient qu'à Allah, seule et unique divinité. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est aimé pour Allah. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est aimé pour Allah, c'est-à-dire par amour pour Allah, étant ainsi aimé pour Allah et non avec Allah. Lorsqu'on parle de l'amour ma Allah, le mahabba ma Allah, c'est-à-dire un amour semblable à celui d'Allah. Quelqu'un qui aime quelqu'un comme on aime Allah, ou plus qu'on aime Allah, ça c'est du shirk. À savoir qu'aimer une créature avec Allah, comme on aime Allah, représente du shirk et est du shirk. Et l'amour pour Allah représente du tawhid. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, on va simplement citer en arabe le passage qu'on a lu en français. Fahris ayyakuna hammaka ayyakuna وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه وليس في الدنيا وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب ثم قال وجعلت قرة عيني فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرة العين فوق المحبة فإنه ليس كل محبوب تقر به العين وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته وليس ذلك إلا لله الذي لا إله إلا هو وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته فيحب لأجله ولا يحب معه فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والموحد إنما يحب من يحبه ويبغض من يبغضه في الله ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة وهي الحب والبغض ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. Donc Ibn al-Qayyim, on a cité la parole d'Ibn al-Qayyim en arabe. Là, on va citer la partie qui n'a pas été traduite en français, qui n'a pas été citée auparavant. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, le mushrik, l'associateur, qui n'est donc pas musulman, prend donc en dehors d'Allah des égaux, qu'il aime comme on aime Allah. Et quant au muwahhid, il n'aime ce qu'il aime que pour Allah. Et il ne déteste ce qu'il déteste que pour Allah. Il fait ce qu'il fait pour Allah et abandonne ce qu'il abandonne. Et délaisse pour qui? Pour Allah. Ces quatre piliers et ces quatre règles qui sont l'amour, al-hubbu, la haine, al-bourd, et ce qui en découle des actes et abandons, c'est-à-dire des actes et abandons, des actes actifs, comme par exemple soutenir le croyant quand il en a besoin, soutenir les musulmans quand ils en ont besoin, et des actes passifs, c'est-à-dire s'abstenir, comme par exemple que tu n'ailles pas participer à l'élection d'un tarout qui se donne un droit exclusif qui appartient à Allah, qui est le droit de légiférer, ou un droit qui est exclusif à Allah Azzawajal, ou un droit qui est exclusif à Allah Azzawajal, qui est le droit d'être invoqué, ou autre. Donc que tu t'abstiennes de soutenir un tarout lorsqu'il se met à l'égal d'Allah Azzawajal. Donc, et en découle des actes et abandons, et par les abandons nous visons les actes actifs et les actes passifs, et découle aussi de cette haine et de cet amour
donner ou refuser. Donc tu donnes pour qui? Tu donnes pour Allah. Tu refuses et tu empêches les, tu refuses et tu t'abstiens de faire des choses pour qui? Pour Allah. Si tu donnes une chose que tu viens à donner pour Allah, que tu viens à donner, tu la donnes pour Allah. Et si tu t'abstiens de faire une chose, tu t'abstiens pour Allah Ta'ala. Celui qui aura parfait ces quatre piliers, pour Allah exclusivement, aura alors complété sa foi. Celui qui aura parfait ces quatre piliers, pour Allah exclusivement, aura alors complété sa foi. Et ce qui en diminuera pour Allah. C'est-à-dire, si tu viens, si dans l'une de ces quatre choses, ce qui sont l'amour pour Allah, la haine, donner, retenir, si l'une de ces quatre choses-là vient à diminuer et que tu viens à faire certaines de ces choses-là pour autre qu'Allah, cela aura un effet sur la diminution de la foi du serviteur. Donc ta foi diminuera en fonction de la diminution et du manque dont tu es coupable vis-à-vis de ces quatre règles-là, de ces quatre qawaid et ces quatre principes fondamentaux de la religion qui sont aimer pour Allah et détester pour Allah, donner pour Allah et retenir pour Allah, agir pour Allah et s'abstenir pour Allah. Et l'objectif et ce qu'il faut retenir. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود وتلك الحال وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني فأعلم بذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك أن راحته في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة عافاني الله وإياكم من هذا القول. L'objectif et ce qu'il faut retenir de ce qui a précédé est que ce par quoi le serviteur obtient le délice de son âme, qurratul ayn, est un degré plus élevé que le sentiment éprouvé par un amour anodin, c'est-à-dire un amour normal vis-à-vis d'une chose. Et que c'est un degré plus élevé que les simples choses qu'il aime dans sa vie. Ainsi la prière est le délice des âmes de ceux qui aiment Allah. La prière, salat, est le délice des âmes de ceux qui aiment Allah en ce bas monde, du fait de ce qu'elle contient, comme quoi, comme invocation de celui sans lequel l'âme ne saurait goûter à son délice. S'il n'y avait pas Allah, ton âme, je ne pourrais jamais goûter au délice de son âme. Si Allah ne te le permettait pas, et Allah ne t'accorde pas son amour, ton âme ne pourrait jamais goûter à son délice. Et les cœurs ne pourraient jamais se reposer et trouver les sérénités. Auprès d'autre qu'Allah, tu ne trouveras jamais ta sérénité. La sérénité de ton âme et de ton cœur, tu ne la trouveras qu'auprès d'Allah Ta'ala. La deuxième chose qu'il y a dans la prière et qui fait qu'elle est une qurra, qu'elle est une qurratul ayn, qu'elle est un délice pour l'âme, c'est la joie, as-sururu, et le bonheur par son rappel. La joie que tu prends à te rappeler d'Allah et faire son dhikr. Et ce bonheur qui traverse ton cœur et qui touche la prunelle de ton cœur et qui fait que tu es heureux, que tu es bien et que tu ne vendrais ça pour rien au monde. La troisième des choses, la soumission et l'humiliation devant Allah seul. La soumission et l'humiliation devant Allah seul, devant personne d'autre qu'Allah. Donc, cette soumission et cette humiliation devant Allah seul fait que tu obtiens ta noblesse. Et la grandeur du croyant, elle est dans cette soumission et cette humiliation à Allah seul. Pas dans la soumission et l'humiliation à autre qu'Allah Ta'ala. La quatrième des choses, la proximité, le qurbu min Allah. Se sentir proche d'Allah Ta'ala. Et en particulier pendant le sujoud, la prosternation. Situation et position pendant laquelle Al-Abd, le serviteur, est le plus proche de son Seigneur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud et authentifié par l'Albani,
Ô Bilal, repose-nous par l'appel à la prière. Ô Bilal, arihna bis-salah. Ô Bilal, repose-nous par l'appel à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que son repos, rahatuhu, se trouve dans la salah, comme il nous informa que le délice de son âme, qurratul ayn, qurratu aynihi, se trouve de même dans cette salah, dans cette prière. Et quelle comparaison pourrait-il y avoir entre ceci? C'est ce repos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve dans la prière et ce repos que les croyants trouvent dans la salah et les propos et les paroles de celui qui ose dire nous allons prier afin d'être débarrassés et ne plus être embarrassés par la prière, par la salat. Qu'Allah nous en préserve. Et cette chose-là, souvent, elle n'est pas dite par la langue. Ici, ça arrête les paroles de Ibn Qayyim. Cette chose-là qu'Ibn Qayyim, rahimahullah, citait, nous allons nous débarrasser de la prière, personne n'oserait le dire, ça. Mais les actes, l'af'al, les actes, ils montrent que la personne, en fait, elle veut se débarrasser de la prière. Compris, comme ça, on pourra s'amuser, discuter, blaguer. Mais vite fait, on fait la prière, comme ça, on a quelque chose d'autre à faire. Personne n'oserait dire ça. Viens, on prie pour qu'on puisse se débarrasser de la salah. Ne dis ça qu'un munafiq. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens agissent de la sorte. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de la situation des rafilin, ya Rabbal Alamin. Al-Muhibbu, et qu'Allah fasse que ces paroles que l'on est en train de dire maintenant et qu'on est en train d'écouter soient une hujja pour nous, pas une hujja contre nous, yawm al-qiyamah, et qu'elles soient une hujja pour nous et qu'on soit les premiers à en profiter. Al-Muhibbu, celui qui aime Allah, trouve ainsi son repos et le délice de son âme dans la salat, dans la prière. Quant à l'insouciant, al-Ghafil, qui se détourne de l'obéissance d'Allah, il n'aura rien de tout ça. Au contraire, la prière, la salat, sera pour lui un fardeau, difficile à accomplir, très très difficile. Elle est lourde. Lorsqu'il se lève pour prier, on aurait dit qu'il se trouve sur des braises brûlantes. Il est pressé, jusqu'à se débarrasser et quitter cette prière. Qu'Allah nous préserve de la situation des insouciants, ya Rabbi. Amin. La prière qui lui est la plus chère, c'est-à-dire la prière qui préfère le plus l'insouciant, c'est la plus courte et la plus rapide, car il n'y trouve et n'y éprouve aucun délice pour son âme, et son cœur n'y trouve aucun repos. C'est quoi le secret? Pourquoi il est pressé de terminer cette prière? Parce que justement, il ne trouve pas de repos dans cette salat pour son âme. Son œuf ne trouve pas de repos, et son cœur ne trouve pas de délice. C'est pour ça qu'il est pressé de la faire vite, et il préfère la prière qui est la plus rapide. Donc lorsqu'on sait c'est quoi la maladie, lorsqu'on sait c'est quoi la maladie, le problème, là on sait corriger. Mais lorsqu'on ne sait pas c'est quoi la maladie, qu'on vit dans un quotidien, tous les jours comme ça, et la prière qu'on préfère le plus, c'est la prière qui est rapide, et dès que l'imam fait une prière un peu plus longue, on est dégoûté derrière. Et après on vient chercher dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous arrange, que Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, il y a un homme qui a prié derrière lui, et puis il a terminé rapidement parce que le Mu'ad il a été long. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Mu'adh, fattan unanta, est-ce que tu souhaites troubler les gens? Lorsque tu pries avec sabbih isma rabbika al-a'la, il a jusqu'à la fin du hadith. Ici, Mu'adh a prié avec surat al-Baqarah, Mu'adh. Il n'a pas prié avec surat Qaf. Il n'a pas prié avec surat sabbih, avec surat al-Baqarah. Certaines fois, pour que la prière, elle soit, tout le monde puisse l'accepter, il faut prier avec deux ayats. Soit tu pries avec l'ilah fi Quraysh et inna a'tayna kal-kawthar. Et même ces versets-là, les gens ne ressentent plus. Le plus important, c'est que ça soit rapide, pas le contenu. Parce que tu peux prier avec ces versets-là, mais que les gens ressentent. Lorsque tu entends l'ilah fi Quraysh, tu dis Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal, juste pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour la protection, parce que les Quraysh s'étaient habitués à faire du commerce en hiver et en été, il a fait que Abraha soit repoussé, qu'Allah Azza wa Jal lui a envoyé son châtiment. Parce que juste après qu'Allah Azza wa Jal dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, jusqu'à la fin du verset, juste après il a dit quoi? Li ila fi Quraysh. C'est-à-dire Allah agit de la sorte justement parce que Quraysh était habitué à quoi? Ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Parce qu'ils étaient habitués à voyager pendant l'hiver et l'été. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah leur a accordé de ses bienfaits. Ce bienfait-là, à ce moment-là, il faut être reconnaissant. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette demeure, qui est la Kaaba.
الذي أطعمهم من جوع qui les a nourris et qui leur a permis de manger de ne pas mourir de faim et ne pas avoir faim الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف et qui les a mis dans une situation de sécurité. Donc lorsque tu vois qu'Allah te donne à manger et te donne à boire et te permet d'être en sécurité, fa'budhu, sois reconnaissant, cherche l'amour d'Allah Ta'ala. Et lorsque ces deux versets, ces sourates sont aussi courtes soient-elles, lorsqu'elles sont récitées, concentre-toi, médite, et que lorsque c'est terminé, oh, il y a un effet dans ta vie de tous les jours, tu es reconnaissant envers Allah Azzawajal. Lorsque tu rentres chez toi, tu n'es plus un jabbar, tu vois. Lorsque tu rentres chez toi, tu essaies d'être reconnaissant, de donner son droit à chacun qui est chez toi. Ton fils, tu lui donnes un droit. Ta femme, tu lui donnes un droit. Si tu as tes parents, tu leur donnes leur droit. Si il y a des gens de ta famille que tu n'as pas appelé depuis un moment, tu es reconnaissant envers Allah Azzawajal. Tu les appelles, tu vois si tu fais Sirat al-Rahim. Et c'est ainsi qu'on va profiter du Coran, et que ce Coran sera une hujja pour nous, pas contre nous. Puis ici, on va terminer avec les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il dit donc, la prière qui lui est la plus chère est celle qui est la plus courte et la plus rapide. Pourquoi ? Car il n'y trouve et n'y éprouve aucun délice pour son âme, et son cœur n'y trouve aucun repos. Et le serviteur, al-abd, dès lors que son âme trouve son délice en une chose, son cœur s'y apaisera. Yatma'innu qalbuhu ilayha. Dès que son âme trouve son délice et un plaisir, son plaisir dans une chose, son cœur va s'y apaiser forcément. À ce moment-là, ce qui lui sera le plus difficile sera de s'en séparer. Il lui sera difficile de se séparer du rappel d'Allah et de la salat. Dès qu'il trouve l'occasion, il ira prier et faire une salat ou apprendre quelque chose qui est un bien pour lui ou il pourra transmettre aux gens. Il sera tout le temps dans une ibadah parce que c'est la chose où il trouve le plus son plaisir. Et le mutakallif, celui qui est malade et affecté et dont le cœur est rongé par les maladies, et c'est des maladies spirituelles, qu'Allah nous en préserve, dont le cœur est vide de l'amour d'Allah et de sa connaissance et de connaître Allah comme il se doit et de la demeure dernière, celui-là, celui qui est éprouvé par l'amour de cette dunya et de ses plaisirs, celui-là, la plus difficile des choses à ses yeux sera quoi ? As-salat, la prière. La salat sera la chose qui lui sera la plus difficile. Et ce qu'il répugnera le plus et va détester le plus intérieurement sera que cette salat dure longtemps. Bien qu'il soit libre, qu'il ne soit pas occupé et qu'il soit en bonne santé. Même s'il est libre, il n'est pas occupé, il est en bonne santé, mais ce qu'il déteste le plus, c'est que la prière soit longue. Pourquoi ? Parce que son cœur est rongé par cette dunya. Et son cœur est malade, il est affecté. Et il est vide de l'amour d'Allah, Ta'ala, et de la connaissance d'Allah. Et il est vide de l'amour, de la connaissance, et il est vide de la demeure dernière et du rappel de la demeure dernière. Et son cœur est rongé par les plaisirs de cette dunya. Qu'Allah nous en préserve. Et ici, Inch'Allah, se termine le cours d'aujourd'hui. Sallallahu Azza wa Jal. أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Demandons à Allah de nous accorder une science utile, nous permettre de profiter de ce qu'il nous a appris. Et nous demandons à Allah Ta'ala de purifier nos cœurs, de purifier nos cœurs de l'hypocrisie, d'accorder à nos âmes sa piété, d'accorder à notre âme sa piété, et de faire que ce qu'on a dit soit une preuve pour nous, là contre nous. أسأل الله عز وجل يكون ما ذكرناه حجة لنا لا حجة علينا وأسأل الله تعالى أن ينصر دينه وينصر عباده الموحدين وأن يخذل أعداءه وأعداء الدين أهل الشرك والتنديد والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين